Une bonne bière, c'est celle qui va nous plaire, c'est celle qui va être faite avec des bons ingrédients. Et chaque bière va être particulière. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, où qu'on aille dans des petits villages dans la région, on pourra toujours goûter des choses différentes et s'extasier, que ce soit chez moi ou chez un collègue. Il y a vraiment des super bières partout à découvrir. Alors, je m'appelle Romain. Je fabrique de la bière à Saint-Hilaire-du-Touvet depuis maintenant 3 ans. Et ça a fait 1 an et demi que je travaille avec Florian, qui brasse avec moi 2 jours par semaine. Je suis artisan depuis 3 ans. Et j'ai choisi ce métier après des études d'économie sociale et solidaire. Et je ne me voyais pas travailler en entreprise. C'est des études que j'ai faites en Île-de-France, une région dans laquelle je ne voulais pas rester. Et comme je faisais de la bière en amateur à côté et que travailler à mon compte est quelque chose qui me branchait particulièrement, j'ai eu l'opportunité de lancer cette activité et j'ai pas hésité une seconde. Alors la bière, ça se fabrique avec comme matière première principale de l'orge, du houblon, de la levure et de l'eau. Nous, on travaille en bio, on essaye de travailler avec des producteurs locaux, donc l'orge, on le fait venir du Massif central et un petit peu d'Ardèche. Le houblon, on le fait venir principalement d'Alsace. Et l'eau, bah, c'est la bonne eau de Chartreuse. Et ce qu'on va faire pour faire de la bière, c'est qu'on va concasser du malt, donc on va broyer du malt d'orge, de la céréale, pour en extraire le sucre. La partie brassage, ça va être de mélanger ce malt concassé à de l'eau chaude. Puis ensuite, de faire bouillir ce mélange, en rajoutant du houblon qui va amener l'amertume et les arômes au produit, et de l'envoyer dans des grandes cuves de fermentation dans lesquelles on va rajouter la levure qui va transformer tout ça en alcool et en gaz, ce qui va permettre de donner la bière. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est un métier assez varié, où il y a à la fois un côté fabrication et il y a aussi tout un côté relation humaine, puisqu'ici, comme vous le voyez, on a aussi un bar où on accueille les clients, donc ça permet de rencontrer plein de gens très différents. Pour boire nos bières, vous pouvez venir nous retrouver directement sur place à la brasserie. On a des horaires d'ouverture qui sont sur notre site internet, sur brasserie-dandecrolle.fr ou sur le site de l'Office du Tourisme. On se situe donc sur le plateau des Petites Roches, en face de l'Office du Tourisme, à côté de la mairie. Et on est ouvert principalement pendant l'été et le printemps, donc pendant les beaux jours, ainsi que pendant les vacances scolaires. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver nos bières, si vous êtes sur le plateau, au Magasin Général, qui est à Saint-Bernard. Et en ce moment, on est à la pression à Grenoble, au Café des Jeux. Et on est en cours de labellisation bio, donc bientôt probablement dans les commerces bio des environs.